nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai mon péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Je marcherai. Jondoni Jakoberen epistolatik. Ene aurrideak. Zertarako dut norbaitek, nik badut fedea erraitea. Egintzetan ez badua gertzen. Holako fedeak salba ote dezake? Anaia edo arreba batek soinekorik
edo egun guzietako janik ez badu, zuetarik batek erraiten badiote. Zoazte bakean, bero zaitezte eta ase. Baina behar duten laguntza eman gabe, zer balio du horrek. Berdin fedea ere, egintzarik gabe bada, hila da. Norbaitek errandezake, zuk fedea duzu, nik aldiz egintzak. Erakutsez adazu egintzarik gabeko zure fedea, eta nik egintzen bidez erakutsiko dautzut nire fedea. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un d'eux vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, elle est bien morte. En revanche, on va dire, toi, tu as la foi, mais moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je montrerai la foi. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué
et que, 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères fidèles du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, bienvenue pour cette journée diocésaine à Lourdes, au cœur de notre pèlerinage de l'hospitalité basco-béarnaise, avec cette année environ 460 frères et sœurs malades ou handicapés, que je salue encore une fois avec affection. De manière très particulière, 1 millier d'hospitaliers, 200 jeunes qui viennent faire une expérience inoubliable ici à Lourdes, avec les malades en particulier. Le pèlerinage Sourire, avec une petite trentaine d'enfants, et puis une nouvelle école du service pour les jeunes de 16 à 18 ans. Bienvenue pour cette journée où, comme les disciples de l'Évangile que Jésus emmenait à l'écart dans ces villages qui se trouvaient aux environs de Césarée de Philippe, précisément au nord de la Galilée, au pied du mont Hermon, où le Jourdain, symbole du baptême, prend sa source, vous êtes venus vous aussi à l'écart de votre vie quotidienne, à l'écart de vos épreuves de santé, à l'écart de vos épreuves familiales, de vos tâches, de vos rythmes effrénés qui parfois vous étouffent et vous submergent, qui vous empêchent parfois même de prendre de la distance par rapport aux événements de votre vie comme par rapport aux événements de la vie de l'Église et du monde. Vous êtes venu avec Jésus, avec Marie qui ne cesse de vous montrer Jésus. Et vous êtes comme les disciples de ce temps-là, alors que vous aussi vous êtes venu à la source qui jaillit depuis près de 160 ans, à la grotte de Massabielle, où Notre-Dame apparaissait à Sainte Bernadette. Vous êtes venu pour être interrogé au plus intime de vous-même, sur votre foi. Après avoir demandé aux disciples ce que les foules, ce que les gens pensent de lui, il se tourne vers eux, vers vous, ce matin, et il vous dit, il vous demande, c'est la question fondamentale de son identité et de notre identité de chrétien. Et vous, que dites-vous ?
pour vous, qui suis-je ? Et Pierre, faisant fi de l'opinion des hommes, dont nous sommes bien souvent les esclaves, laissons parler le Saint-Esprit en lui, qui éclaire son intelligence et son cœur, s'écrie : Tu es le Christ ! Et en saint Matthieu, vous savez comment Simon-Pierre ajoute même : Tu es le Fils du Dieu vivant. Laissez Jésus, au cours de cette messe, lui qui va être présent dans quelques instants, en son corps et en son sang, en son âme et en sa divinité, sous les apparences pauvres du pain et du vin consacrés, laissez-le vous interroger au plus intime de vous-même, quelles que soient les épreuves de votre vie, quelles que soient les épreuves de la vie du monde et de l'Église. Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Répondez avec Pierre, répondez avec toute l'Église, répondez dans la grâce de votre baptême, la source même de votre vie. Tu es le Christ, tu es le Messie. Vous savez ce que pouvait avoir comme retentissement une telle interpellation pour Simon-Pierre et les autres apôtres, les Juifs immergés dans les Saintes Écritures et l'annonce des prophètes. Qui est le Christ ? Qui est le Messie pour eux ? Tant annoncé par les prophètes et tant attendu par le peuple. C'est celui que Dieu envoie pour sauver les hommes. C'est celui que Dieu envoie pour ramener son peuple infidèle dans l'alliance dont il s'est détourné par son péché. C'est lui le Christ. L'est-il toujours pour nous, qui sommes parfois un peuple infidèle, qui nous sommes détournés des paroles de l'Alliance par nos péchés, dont parfois nous ne sommes même plus conscients dans notre existence, ce que le pape François appelle dans le cinquième chapitre de son exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel, la corruption spirituelle. Faute de vigilance, nous en oublions même ce qu'est le péché dans notre vie. Elle est forte de conséquences, n'est-ce pas ? Cette profession de foi de Pierre qui est la nôtre aujourd'hui. Tu es le Christ. Voyez comme au début de cette année pastorale, cette profession de foi, quelle incidence elle a dans notre vie. Alors que l'Église, de manière internationale, est en train de traverser des turbulences, peut-être sans précédent. Turbulences externes auxquelles elle est bien habituée depuis 2000 ans, celles des persécutions. Et nous pensons à nos frères et sœurs qui sont persécutés à cause de leur foi dans bien des lieux de notre planète. Les persécutions peut-être plus insidieuses dans nos pays dits libres et de vieille chrétienté. Mais les turbulences internes au sein de l'Église qui me font penser à cette prière adressée à Jésus par le cardinal Joseph Ratzinger un certain vendredi saint 2005, alors que Jean-Paul II avait été empêché de présider ce chemin de croix au Colisée parce qu'il était mourant. Joseph Ratzinger, qui deviendra quelques semaines plus tard le pape Benoît XVI, et qui disait « Seigneur, nous te prions parce que l'Église nous semble comme une barque prête à couler. Une barque qui prend l'eau de toutes parts. Les vêtements et le visage si sale de l'Église nous effraie. C'est nous qui la salissons. C'est nous qui te trahissons. Après nos belles paroles et nos beaux gestes, Seigneur, prends pitié de ton Église, concluait-il cette méditation. C'est vrai que
nous sommes confrontés à nouveau, sur la scène internationale, aux abus sexuels au sein de l'Église qui sont étalés complaisamment sur la place publique par les médias. Et nous sommes rattrapés, nous aussi, dans notre diocèse, par un prêtre qui vient d'être mis en examen. Comment cette profession de foi peut-elle nous aider à prendre de la hauteur et de la distance? Bien sûr qu'il nous faut toujours améliorer nos œuvres de prévention, de discernement et de formation des candidats au sacerdoce, notre accompagnement concret des victimes innocentes de tels agissements, notre accompagnement de ceux qui se sont portés fauteurs de tels actes, en collaboration avec la justice, pour de justes pénitences, mais qui soient toujours des pénitences médicinales. Mais il faut prendre de la hauteur et aller en amont. Qu'est-ce que ça veut dire de croire que Jésus est le Christ? Autrement dit, comment le Christ peut-il encore nous sauver aujourd'hui? Comment peut-il encore sauver son Église? Quand le monde ne cesse de nous dire, en nous montrant nos contre-témoignages et nos méfaits et les agissements des membres de l'Église, dont nous sommes tous, parce que moi le premier, je suis pécheur, où est-il ton Dieu? Comment le Christ nous a-t-il sauvés? Il est venu dans le monde comme un justicier, caracolant sur son cheval? Cette figure que Jean-Baptiste, qui était encore un homme de l'Ancien Testament, pouvait encore imaginer en disant « Il est là, la cognée est à la racine de l'arbre, il tient la pelle à vanner, c'est le jour de la colère de Dieu qui vient, c'est le jour de la vengeance de Dieu qui vient. » Et c'est l'idée que Saint-Pierre et les autres apôtres se faisaient du Messie, tant Dieu, dans l'Ancien Testament, avait sauvé son peuple à avec puissance et éclat. Rien de tout cela. Jésus, reconnu comme le Christ par Pierre et les autres apôtres, commençait à enseigner à ses apôtres qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. Vous comprenez l'attitude de Pierre, qui pourrait bien être la nôtre aussi, non? Et celle du monde, en tout cas, qui traque les coupables, qui les dénonce publiquement, qui organise des procès médiatiques, d'autant plus, paradoxalement, qu'il se refuse à dénoncer le péché et qu'il participe à cette anesthésie de la conscience morale qui ne sait plus reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal, y compris dans nos rangs, quand nous ne cessons de dire qu'il n'y a plus de péché. Et notre culpabilité, pourtant, nous revient par un effet boomerang en pleine figure. Non. Le Christ Jésus a choisi la voie de l'humiliation. Il a choisi la voie de la passion. Il a choisi la voie de la croix. Les apôtres n'avaient pas fait le lien entre ces chants du serviteur souffrant d'Isaïe dont nous venons d'entendre l'un d'entre eux dans la première lecture, et le Messie qui vient pour ramener son peuple dans l'alliance dont il s'est détourné par son infidélité. Ce n'est pas le jour de la colère, ce n'est pas le jour de la vengeance de Dieu, mais Jésus, ce Messie humilié, cet agneau muet que l'on mène à l'abattoir, cet agneau comme immolé dans sa passion et sur la croix, a détourné, pourrait-on dire, la colère de Dieu sur lui-même. Et c'est dans sa personne qu'il a tué la haine. C'est dans sa souffrance, en prenant sur lui les outrages et les opprobres qui sont dus à nos péchés et que nous méritions, qu'il nous a sauvés. C'est dans ses blessures que nous sommes guéris. Certes pas pour nous laisser continuer à pécher, mais pour nous inviter à la vue de Jésus crucifié,
victime d'expiation pour nos péchés, victime de substitution pour nos péchés, que nous puissions nourrir une sainte horreur du péché et un grand désir de nous convertir. C'est le message de Lourdes qui a retenti ici il y a 160 ans. Pénitence, 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 c'est-à-dire conversion, conversion, conversion. Chers frères et sœurs, il faut aller à la racine du mal et cesser de désigner des coupables. Il faut nous aussi entrer dans le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus à travers la célébration de l'Eucharistie, préparée par des confessions fréquentes, recourir au sacrement du pardon pour ne pas nous enfermer dans la corruption spirituelle et dénoncer dans notre vie le mal que nous faisons, quelle qu'en soit la gravité. Cessez de dire à Jésus « Tu es le Christ », à Dieu « Seigneur, Seigneur » et se refuser à faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Marie, et c'est le thème de ce pèlerinage 2018 ici à Lourdes, qui nous dit « Faites tout ce qu'il vous dira », faisant écho à cet engagement solennel des Hébreux alors que Moïse, en descendant du mont Sinaï, leur communiquait les prescriptions du Seigneur, c'est-à-dire les 10 paroles de l'Alliance. Tout ce qu'a dit le Seigneur, nous le ferons avec la grâce de l'Esprit-Saint, sans laquelle nous ne pouvons jamais nous relever, sans laquelle nous ne pourrons jamais entrer dans le mystère de la passion et de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est la grâce que nous demandons particulièrement aujourd'hui pour notre Église, pour notre diocèse, quelle que soit la faute de ses membres. Mais nous sommes tous les membres les uns des autres, car l'Église est un corps, elle est le corps du Christ. Et si Jésus lui-même s'est identifié au plus grand des pécheurs pour le sauver, comment nous-mêmes, à sa suite, ne le ferions-nous pas ? Et ne laisserions pas nous résonner dans notre cœur cette invitation de Jésus. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix de chaque jour et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Amen.
credo in unum Deum. Frères et sœurs bien-aimés, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes. Viens de ton grâce,
pour les pasteurs de l'Église, pour les responsables d'aumônerie et de la catéchèse, que tous puisent leur enthousiasme dans la prière et la méditation de la parole. Prions le Seigneur. Pour les responsables des nations, Luruntako kargudun guzientzat, justizia eta bakearen alde, lan egin dezaten, gizakiaren onerako, egin dezagun otoitz. Pour les malades et leurs familles, pour que toutes les personnes traversant une lourde épreuve trouvent à leur côté compassion et réconfort. Prions le Seigneur. Pour les familles du diocèse et les membres de l'hospitalité basco-béarnaise. Hemen bildua giren guzientzat, gure diezesako familientzat, ez gaiten guretzat bizi, bainan jaunarentzat, gure aurrideak zerbitzatuz, egin dezagun otoitz. Seigneur de tendresse, accorde à tous ceux qui comptent sur toi de connaître ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de sa Sainte. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité des morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit
pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. De ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, de reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Bernadette et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François et notre évêque Nicolas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi
et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment domine toujours en nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, devant nous tous, diocésains du diocèse de Bayonne, Lescar, Oloron, 56 hospitaliers ont choisi de s'engager dans l'hospitalité basco-béarnaise. Ils s'engagent librement, volontairement, après avoir signé leur demande d'engagement. Beaucoup d'entre nous, hospitaliers, sont engagés depuis longtemps. Nous souvenons-nous bien de cette demande ? Je vous la relis. Je, Maïlis, ayant accompli 3 pèlerinages avec l'hospitalité basco-béarnaise, et acceptant de servir à Lourdes, dans la mesure de mes possibilités, les pèlerins, et spécialement les pèlerins malades et handicapés, sollicite mon engagement dans l'hospitalité basco-béarnaise. Je suis conscient que cet engagement est pour moi un appel vers les autres, mes frères, et je prie la Vierge Marie qu'elle m'aide à le tenir fidèlement. S'engager n'est pas recevoir une médaille, mais un insigne qui nous rappelle tous les matins où nous l'accrochons sur notre veste ou notre tablier que nous mettons cette journée au service de nos frères, malades et hospitaliers, avec l'aide de la Vierge Marie. Cet engagement est important pour toute la famille de l'HBB dont il assure la pérennité. Il témoigne de votre attachement à notre chère hospitalité et est exemple pour tous ceux qui craignent, dans les temps actuels, de s'engager. L'hospitalité basco-béarnaise vous remercie. Que nous tous, ici présents, les accompagnons dans nos prières. Béatrice Laborde, la secrétaire des hospitaliers, appellera chacun de vous. À l'appel de votre nom, vous vous lèverez en répondant « Me voici » et viendrez au pied de l'autel. Bassin de Lac, Baraquet Francis, Costédoate Anne-Marie, Darac Armel, Pozo Pizarro Jean-Jacques, Bayonne, Jean Christiane, La Fouresse Mathieu, La Serre Françoise, Martinon Yvonne, Monard Margaret, Biarritz, De Paredes Xavier, Garalon Liliane, Guinée Gisèle, Orieux Philippe, Ouar Geneviève, Itourbourouà Dominique, Itourbourouà Marie, Maïtia Auguste, Voisin Flore, Ounassobiscaï André, Asparin, Christy Jean-François,
Fabien Marie-Jeanne, Moléon, Abadi Henri, Caricaburu Anne-Marie, Larori Magarta, Récalte Jeanne-Marie, Oloron, Bordégaraille Thérèse, Dupouille Jean-Pierre, Rocher Patrick, Hortès, Borges Janine, Jiquel Christelle, La Cave Geneviève, La Cave Michel, Pau, Benanazis Liliane, Bordenave Bernard, Cazenave Henriette, Lavigne Marcel, Morino Elisabeth, Père Jean Moriot, Saint-Jean de Luce, Badiola Anne-Marie, Baroguel Geneviève, Bonne Maison Éric, Lafont Vincent, Le Maire Christian, Le Maire Mirantzou, Lissarag Gérald, Urdanabia Olivier, Oyénard Marie-Hélène, Perrault Jacqueline, Roy Michel, Vosec Malivert Jacqueline, Saint-Palais, Barbarera Rena Kait, Uruti Maïté, Salis de Béarn, Anglo Christina, Bidard Josette, Couteig Lucie. Tu es béni, Seigneur, source et origine de toute bénédiction, toi qui te réjouis de la piété de tes fidèles. Regarde avec bonté tes serviteurs qui désirent porter ces signes de foi et de piété. Fais qu'ils recherchent en les portant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Vous vous tournez face à nos amis hospitaliers. Merci. Seigneur Jésus, tu nous as dit. Mes amis.
Non, c'est pas terminé. Tous ensemble, tous qui sont ici sur l'autel, mais vous aussi tous les hospitaliers, nous allons lire ensemble l'acte d'engagement de l'hospitalier. Sainte Marie, Mère de Dieu, Vierge Immaculée, vous êtes apparue 18 fois à Bernadette, dans la grotte de Lourdes, pour rappeler aux chrétiens les merveilles et les exigences de l'Évangile, les invitant à la prière, à la pénitence, à l'Eucharistie et à la vie en Église. Pour mieux répondre à vos appels, je me consacre par vos mains à votre Fils Jésus. Rendez-moi docile à son esprit, et par la faveur de ma foi, par le rayonnement de toute ma vie, par mon dévouement au service des malades, faites que je travaille avec vous au réconfort de ceux qui souffrent, à la réconciliation des hommes, à l'unité de l'Église et à la paix du monde. C'est en toute confiance, ô Notre-Dame, que je vous adresse cette prière en vous demandant de l'accueillir et de l'exaucer. Bénie soit la Sainte et Immaculée Conception de la Bienheureuse Marie, Mère de Dieu. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. J'appelle maintenant la bénédiction du Seigneur sur chacune et chacun d'entre vous, à commencer par nos frères et sœurs malades et handicapés, tous les hospitaliers, très spécialement ceux qui viennent de prendre leur engagement, tous les jeunes aussi qui participent à ce pèlerinage et à l'hospitalité, pour qu'ils puissent discerner le projet de Dieu sur eux. À quoi Dieu vous appelle, chers jeunes, pour donner votre vie au service de vos frères. Et vous tous, chers frères et sœurs, en ce début d'année pastorale, que cette bénédiction nous lance sur les chantiers de cette année dans nos communautés, dans nos paroisses, dans notre diocèse. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.